Salut, c'est Aurélien, je fais cette vidéo ici dans la rue à Rangoon. Alors c'est un petit peu dangereux parce que en fait, je suis sur la route, mais le truc c'est que si on veut avancer, il faut être sur la route, sinon sur le trottoir c'est pas la peine. Il y a trop de vendeurs, trop de bordel et ça avance pas, donc on essaie de se faufiler entre les voitures qui de toute façon avancent pas très vite parce que il y a des trafics de malades. Donc je fais cette vidéo en fait pour vous dire que hier j'ai fait... Je suis allé faire de la muscu, en fait j'ai trouvé une salle de muscu hier, donc j'ai fait des exercices de base avec des poids. Et aujourd'hui je suis explosé, et en fait pourquoi? Parce que ça fait des années que j'avais arrêté la muscu. Et je me suis remis au sport en fait il y a je vais traverser, voilà. Vous voyez, j'essaie de survivre pendant que je vous parle. Donc en fait le truc c'est que je me suis remis à la gym, enfin plutôt au sport en fait, en faisant de la natation. Il y a 4 mois et j'ai perdu en fait 5 kilos en 5 mois. Donc c'est assez impressionnant parce que voilà, vous utilisez vos pantalons et vous rendez compte que vous flottez dedans, donc c'est quand même assez rigolo. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que en fait c'est assez impressionnant parce que j'avais jamais aussi perdu autant de poids aussi rapidement. Et en fait le truc c'est que je savais que la nutrition c'était important parce qu'en fait si vous voulez, l'erreur quand on pense maigrir, on pense surtout en fait faire du sport, donc augmenter ses dépenses, et c'est évidemment ça aide, mais ce que je veux dire c'est que si vous faites plein de sport mais que vous mangez comme un goré du McDo matin, midi et soir, vous allez pas avoir des super résultats. Et en fait, la nutrition, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu comme le référencement pour les sites internet. C'est un truc que j'ai pas, qui m'attirait pas du tout pendant des années, que je trouvais un petit peu inutile. Et en fait, c'est que récemment que j'ai commencé à étudier ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec juste quelques notions de base, on arrive à avoir des résultats vraiment extraordinaires, vraiment impressionnants. Alors évidemment, ça demande de changer ses habitudes. On peut pas, on peut pas maigrir en mangeant comme un geek qui mange des pizzas et du coca tous les jours, mais en tout cas ça marche très très bien en connaissant les conseils de base. Pour vous donner un exemple, en fait en ce moment mon régime, déjà ce que je fais c'est que évidemment j'essaye de ne pas prendre de sucre, donc tout ce qui est boisson gazeuse etc, j'ai arrêté. Tout ce qui est sucre blanc, j'ai arrêté. Le sucre dans le café, j'ai arrêté. Je suis le régime signalé, donc en fait, alors là il y a un bruit de dingue parce qu'en fait là il y a une espèce de levée de fond. Il y a toujours des mecs en fait, et en fait ils... Voilà, c'est la fête. Ouf, un bête de bus. En fait c'est parce qu'ils lèvent de l'argent pour un moine. En fait tous les bouddhistes ils sont là et ils récupèrent de l'argent comme ça dans la rue. Donc en fait voilà, pour vous expliquer que c'est super impressionnant. Par exemple, pour vous expliquer un truc. Le soir, en fait, ce que je fais, c'est que je mange un grand poisson qui est pas frit, qui est cuit plutôt, à l'étouffée. Et je mange ça. Il y a, il y a la sauce qui va avec, mais même pas de légumes, même pas d'accompagnement. Ça me cale bien avec 2-3 brochettes de viande, des petites brochettes, toutes petites brochettes. Ça cale bien et ça permet de maigrir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que manger gras, ça fait pas maigrir. Ce qui fait maigrir, en fait, c'est le sucre. Le sucre rapide, les sucres et surtout les sucres rapides, ça c'est le pire. Et en fait, manger gras, c'est pas du tout un problème. Donc manger comme ça un gros poisson avec une sauce bien grasse, délicieuse, c'est un plat typique birman. En fait, c'est une sauce, il y a du citron, il y a de la coriandre, il y a plein de choses. Donc c'est super bon. Il y a aussi des petits piments. Donc ça fait pas grossir du tout. Et en tout cas, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Esquivage de parapluie, vous avez vu, en live. Donc donc tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Si vous aujourd'hui vous n'avez pas le corps que vous voulez, et moi aujourd'hui j'ai pas le corps que je veux, mais j'y travaille et je me sens assez proche du but parce que j'ai jamais eu des résultats pareils. Donc tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas le corps que vous voulez, il y a de l'espoir parce qu'en fait il est tout à fait possible, et c'est comme tout, ça se travaille, ça s'apprend, et c'est tout à fait possible d'avoir des résultats. En fait, pour vous expliquer, moi aujourd'hui, je suis marié, j'ai pas besoin de faire le beau gosse, etc. Donc c'est sûr que je fais mes vidéos, donc c'est toujours mieux si j'ai plutôt l'image de quelqu'un de dynamique plutôt qu'un gros patapouf bedonnant.
Mais si vous voulez, pourquoi je le fais, c'est surtout une question de défi. Parce qu'en fait, mon métier, c'est plutôt c'est de changer de vie, enfin d'aider mes clients à changer de vie en créant un business rentable sur Internet. J'ai des clients qui ont créé des business justement dans le domaine du fitness, de la nutrition. Et si vous voulez, mincir, avoir un corps mince, c'était un petit peu le seul truc qui me restait en ma vie que je n'avais pas accompli. Et pour moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu quelque chose de symbolique, c'est-à-dire, c'est moi j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver, parce que c'était vraiment le seul truc qui me restait. Je veux dire, moi, j'ai créé un business sur Internet, j'ai appris l'anglais, des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Et si aujourd'hui, j'arrive, ce qui n'est pas encore le cas, mais en tout cas, je suis en bonne voie, si j'arrive à avoir un corps mince, etc., et musclé, ce sera une preuve de plus que en se formant, en apprenant, en pratiquant, en faisant des erreurs, en essayant, en se désespérant même. Parce que moi, pendant des années, j'ai souffert de ça parce que je prenais du poids, je ne savais pas comment faire, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me maîtriser. Et c'est une aventure extraordinaire et puis je voudrais la partager avec vous parce que véritablement, je pense que c'est quelque chose d'inspirant. Parce que clairement, je n'étais pas le mec obèse, etc. Je vais pas vous dire ça parce que c'est faux, je n'ai jamais été obèse. Mais je commençais vraiment à avoir quand même du bide. C'était pas terrible, terrible. Écoutez, là, j'ai le bras qui lâche, là. J'ai plus d'épaule et donc je vais arrêter cette vidéo, ce sera mieux. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous. En plus, ce qui est marrant, c'est que je croise tous les gens et les gens croient qu'en fait, je filme devant. Donc en fait, la moitié des gens sont gênés alors qu'en fait, je me filme moi. Bref, donc... C'est terminé pour cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous, j'ai préparé une formation en vidéo d'une heure en fait où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois en travaillant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait dans deux business, en fait je l'ai fait dans quatre business, mais dans la vidéo je vous explique, je vous montre en fait en détail deux business que j'ai créés qui rapportent 2000 euros par mois. Vous allez voir, c'est choquant, il y en a un, je passe moins d'une heure par-dessus et c'est ce qui me permet justement d'être en Birmanie en ce moment et de vous parler tranquillement et de travailler une à deux heures par jour pour faire tourner l'intégralité de mon business. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo pour télécharger la vidéo gratuitement. À très bientôt.